Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va démarrer la préparation d'abord du kit que je vais faire en duo avec Sylvie. Sylvie c'est mon amie, elle a une chaîne YouTube également. Donc vous allez avoir en barre d'infos et je vais voir pour vous la mettre à la fin de la vidéo. Le lien de la même vidéo que moi, voilà, de sa vidéo sur la préparation aussi de son kit. Nous allons faire ensemble, de chez nous, le même kit. Donc, je vous en avais déjà parlé. Elle va le faire en perles rondes et moi, je vais le faire en perles carrées. Donc, c'est un kit que je vous avais déjà présenté. Lorsque j'avais reçu, mais je vais vous le représenter pour celles qui ne l'auraient pas vu. Voilà, je suis toujours aussi essoufflée, mais bon, ça c'est pas grave. Et en même temps, aujourd'hui, donc je vais préparer mon kit au niveau des perles. Voilà, j'ai préparé mes petites perles dans leur petit pot. Et donc, je commencerai le kit également, mais pas aujourd'hui, je commencerai certainement demain, voilà. Donc, on va vous faire toutes les deux, je pense, une vidéo tous les 15 jours pour vous montrer l'avancée de nos kits, voilà, voir laquelle des deux va plus vite que l'autre. Bon, comme elle fait des perles rondes, je pense déjà qui va aller plus vite que l'autre. Mais bon, on ne fait pas une course, hein. On ne fait pas la course. Donc voilà, alors je vais vous présenter le kit. Là. Donc moi, le kit était en quelle taille? Je ne m'en rappelle plus. On a la même taille de toute façon, c'est un 50-60. Donc voilà, c'est pas un très 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 grand. Hein. Et donc moi, c'est les perles carrées. Je vais faire de la ASMR, tiens. On va faire du bruit. Celles qui ne connaissent pas la ASMR, c'est du... Comment on peut expliquer ça? C'est des vidéos de relaxation. J'adore ça, moi. J'adore ça. Et bon, il faut... Moi, je suis très connectée à ces vidéos. Voilà, il faut arriver à être connectée. Si ça ne vous fait rien, c'est pas la peine de regarder ces vidéos. C'est des vidéos donc de relaxation. De la personne qui fait la vidéo chuchote et fait des petits bruits comme ça. Voilà, sur du carton. Comme ça, sur des n'importe quel bruit avec ses ongles, sur des ou là-dessus, voyez, des petites choses comme ça. Et c'est de la relaxation. C'est des vidéos qui peuvent durer une demi-heure, une heure. Enfin, je préfère une demi-heure. Et ça vous détend, ça vous détend. Ça peut même vous endormir le soir. C'est super. J'adore ça. Donc c'est de l'ASMR. Voilà. Bon. Voilà. Petite parenthèse refermée. Donc, les perles sont en chapelet. Donc, je vais vous montrer les couleurs. Hein. Voilà. Je ne sais plus si je les avais montrées la première fois. Il y a de jolies roses.
un petit verre. Des belles, des jolies couleurs pastel également, voyez. Alors j'ai fait, enfin j'ai pas une bêtise, mais j'ai oublié de compter mes, je sais plus si, je crois que j'ai pas vérifié, non, j'ai pas vérifié mais si j'avais tous mes paquets. Et ça fait déjà un petit moment que je l'ai, donc j'espère que j'ai de compte. Bon, si j'ai pas le compte et rien, j'enverrai quand même un message au vendeur. Hein. Je l'avais acheté chez Home Fun. Oui, Home Fun, oui, je crois que je ne me trompe pas. Donc il y a exactement 42 couleurs. Donc là du coup je viens de transférer mes couleurs de ma Femme Folklore qui est bientôt terminée dans un dans une autre boîte. Les perles je les transfère dans une autre boîte de perles pour récupérer ma ma valisette rose pour ranger toutes mes perles de celui-là. Voilà. On arrive au bout. Voilà, toutes les perles. Hop, on va tout remettre dans le sachet. Voilà, alors, donc là j'ai la feuille de route. Ah non, c'est 44 couleurs, excusez-moi. Pas 42, 44. Donc, je vous montre le dessin. Mais je vais vous mettre la photo. Hein. Voilà. Donc, c'est celui-là. Donc, j'ai la feuille de route. Bon, voilà. Et je n'ai plus qu'à mettre tout ça dans, ma petite valisette rose. Donc, ma... Sinon, ma toile est nickel. Hein. Peut-être. Alors, je vais garder. Je pense que c'est juste un. J'avais pas fait attention, mais oh, j'ai quand même des petites rivières. J'avais pas vu. Mais bon, pas très importantes. Pas très grave. Ça ira. J'avais pas vu, mais alors, je sais pas si vous allez voir. Là, voilà, il y en a une ici. Et là, voilà. Vous voyez les petites rivières là. Mais bon, ça va, elles sont pas très très grosses. C'est pas des grosses soufflettes, on va dire. Elles sont assez plates. Bon. Voilà. Je n'ai pas fait attention. Et là,
pareil de ce côté-là. Mais je crois qu'il n'y a qu'en haut. Ouais, il n'y a que sur le haut. Fait, ah voilà, comme ça on la voit mieux, voilà, mais bon, décoller de l'autre côté. Ouais, c'est vraiment des micro rivières, on va dire, hein, des mini rivières. Bon. Sinon l'impression est bonne, hein, vous voyez. Niveau impression, ça va. Pourtant fun, mais je sais pas, les grands les vendeurs un peu réputés, je sais pas, je crois qu'ils ont une baisse de qualité en ce moment. Fun, Event Moment, tout cela. Event Moment, c'est pareil. Hein. Au début, j'en entendais du bien, malgré les prix exorbitants, malgré qu'ils sont sur AliExpress. Là, eux, c'est des prix, c'est même pas la peine. Je n'achèterai jamais chez eux. Mais j'ai entendu de plus en plus de mal de chez eux au niveau qualité. Ils sont plus pareils, donc je sais pas, mais bon là ça va, hein. c'est pas la fin du monde, hein. Une fois que les perles seront bien placées dessus, là j'ai même pas besoin de donner un petit coup de fer, hein. ça va tout seul, ça va bien. Donc voilà. Alors, maintenant, on va préparer les perles dans la petite valisette. Et il n'y aura plus qu'à. Voilà. Allez, à tout de suite!
coucou, ça y est, j'ai enfin fini de mettre mes perles dans les petits pots. Ouf! Alors, comme vous avez vu, je ne vous ai pas filmé toute la mise en pot des perles parce que j'aurais perdu la moitié des, même les trois quarts de mes abonnés. Parce que 44 petits pots à remplir en comptant par 4 ou par 8 sachets suivant la grandeur des pots, c'était très long à faire. J'ai mis en tout presque 1 heure et demie pour le faire. Pourquoi ? J'ai mis beaucoup de temps parce que j'ai eu beaucoup de sachets qui étaient, comment on va dire, je cherche le mot, électrostatique. Vous savez, c'est, je vais dire un gros mot, mais ça c'était super chiant. Alors, quand je voulais vider, j'avais les perles qui, loup, loup, qui sautaient, qui ne voulaient pas partir du, vous avez vu, j'ai pris un petit plateau blanc avec le petit bec verseur, elle voulait pas s'en aller du plateau, ou alors elle venait se coller sur mes doigts, c'était une horreur, c'est chiant quand vous avez des perles qui font ça. Alors, en sachant que là, ben, elles sont électrostatiques, mais elles sont dans le pot, donc dans un pot en plastique. Et elles y seront encore quand je vais m'en servir. Donc, ça va être la galère. Il faut que je trouve un truc pour faire ça. Je sais qu'il existe. Enfin, je sais qu'il existe. Je sais que quand elles sont huileuses, par exemple, on peut laver les perles. Mais bon, c'est long. Et puis, huileux et électrostatique, c'est pas la même chose. Donc, je ne vais pas non plus m'amuser. Là, bon, je dis 44 couleurs. J'en ai bien eu la moitié qui était comme ça électrostatique, si c'est pas plus. Je ne vais pas m'amuser à laver comme ça toutes les couleurs pour voir, pour enlever l'électricité qu'il y avait dedans. Parce qu'après, il faut les sécher. C'est ça le problème. Faut que je vois, j'essaie de voir, de trouver un truc qui plus rapide, plus facile, plus simple à faire pour enlever cette électricité qui est dans les perles quand c'est comme ça. Mais c'est pour ça que je ne vous ai pas filmé toute la partie où j'ai mis en pot, parce que j'aurais eu des commentaires. Bon, Yeti, Didit, qu'est-ce que tu nous fais là? Donc, j'ai préféré vous filmer les 2-3 premiers pots, je ne sais plus combien, et le dernier pot pour vous montrer que c'était la fin. Voilà. Sinon, ben, les couleurs sont superbes. Il ne manquait pas de sachets, donc j'avais tous les sachets, donc c'est bien. Comme ça, je n'aurais pas besoin de réclamer. mais bon, des fois, on a beau, on peut avoir tous les sachets, hein, puis il peut quand même manquer des perles à la fin. Mais bon, moi, j'ai quand même une bonne réserve de perles. En sachant que des fois, vous avez une réserve de perles, mais la couleur n'est pas la même, tout à fait la même. C'est comme les papiers peints, ça, hein, c'est comme les pots de peinture. Il y a un bain, donc des fois, si vous ne tombez pas sur le même bain, il y a une différence de couleur alors que c'est la bonne référence. Voilà, ça, j'en vois souvent sur mon groupe de Diamond Painting qui le marque. J'ai pas la même couleur, j'ai dans ma réserve, j'ai la même référence, mais ça fait pas la même couleur. Oui, c'est ça qui se passe, c'est que c'est pas le même bain. Voilà. Donc il faut bien regarder à ça aussi quand vous faites des réserves de perles.
avant de les mettre sur votre diamond painting, de voir si c'est vraiment exactement la même couleur, parce que si vous ne tombez pas sur le même bain de couleurs, il y aura une différence sur votre tableau. Voilà. Et ça, on peut. Il y a aucune. Sur un papier peint, par exemple, là, je regardais là parce qu'avant ils étaient là. Vous avez une référence sur l'étiquette. Vous avez un numéro. Bain, numéro, un tel. Et c'est comme ça qu'on sait que tous les rouleaux de papier peint, ils viennent du même bain. Mais sur les perles, on n'a pas ça, malheureusement. Donc voilà, j'ai une drôle de voix là. J'ai une voix cassée aujourd'hui. Donc voilà, la préparation du kit est terminée. Donc je vais voir si je commence ce soir ou si je commence demain. Je verrai à la hauteur de ma fatigue. Parce qu'hier, je suis même à 9h30, 10h moins le quart, je suis tombée comme une mouche. Donc je suis partie me coucher. Alors que moi, d'habitude, je me couche à minuit. Et je me suis levée ce matin, il était 9h. Donc j'ai fait le tour du cadran pour dormir. Et en ce moment, comme je suis très fatiguée, je me lève presque tous les jours à 9h au lieu de 7h. Voilà. Mais bon, on verra bien. On verra ce que je ferai ce soir, sinon je l'attaque demain. Voilà. De toute façon, vous verrez une première vidéo de l'avancement qu'on aura eu, moi et Sylvie. Alors, si je ne me trompe pas, dans la date que l'on s'est fixée, ce sera le 15 janvier. Vous aurez une première vidéo pour donc une vidéo de moi. Et je vous mettrai le lien de la vidéo à Sylvie également pour que vous puissiez voir notre avancement. Voilà. D'ailleurs, il faut que je lui demande dans quel coin elle commence. Pour que l'on puisse commencer pareil au même coin. Mais je pense qu'elle commence comme moi, en haut à droite. Il faut que je lui demande. Comme ça, parce que pour que vous puissiez voir la différence, il faut que l'on ait commencé exactement pareil. C'est beaucoup plus simple. Je vais vous laisser pour aujourd'hui. Je vais vous faire des gros bisous. On se retrouve, je cherchais mes noms. Oui, non, j'ai tout dit. On se retrouve très rapidement pour une nouvelle vidéo, de nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude. Et maintenant, plein de bisous et à très vite. Bisous, bisous.